ya kuumbana. Wakati inakamilika. Tango ikuki pour la kimia au Katia Ikolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions des morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périssent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 morts. Des milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fueni, Tibadiangubana, Wakati na Kamilika. Tango et Koki pour la Kimia au quartier Kolobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lungu na fardesse na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga na mapinga. Bendele Koyate. Kongo. Ce journal, 8 morts, 8 blessés et 5 maisons détruites. C'est le bilan provisoire du glissement de terre survenu lundi au quartier Nyakaliba en commune de Kadutu dans la ville de Bukavu en province du Sud Kivu. Le gouverneur Théo Ngwabije Kassi a donné un délai d'au moins un mois aux habitants qui vivent dans des sites anarchiques de déménager. Une mesure, dit-il, pour préserver des vies après ce drame. À la Commission électorale nationale indépendante, l'heure et à l'actualisation des cartographies opérationnelles en province, plusieurs membres du bureau de la CENI se sont déployés à travers toutes les provinces. Objectif, recruter les candidats à la collecte des données et échanger avec les parties prenantes au processus électoral. Et au Sénat, la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture a été jugée recevable. Elle vise à diversifier l'économie en rendant le secteur agricole attractif. Son initiateur n'est autre que le président du Sénat en personne. C'est l'heure de vous informer à toutes et tous. Bienvenue à cette nouvelle session sur votre télévision, direction d'abord la province du Sud Kivu, précisément en ville de Bukavu, pour parler de ce drame dont le bilan provisoire fait état de 8 morts, 8 blessés et 5 maisons détruites. C'est le bilan donc provisoire d'un glissement de terre survenu lundi tard dans la soirée sur l'avenue Kadourou au quartier Nyakaliba en commune de Kadutu, un drame qui attriste la ville de Bukavu. Le gouverneur Théo Ngwabije Kassi a fait le déplacement du lieu pour s'imprégner
s'imprégner du cause exacte de ce drame. Il a pour ce faire, lui, le gouverneur, donné un délai d'au moins un mois aux habitants qui vivent sur des sites anarchiques de quitter le lieu. Une mesure, dit-il, visant à préserver des vies après ce drame. On retrouve Ernest Mouhero, il est notre permanent dans cette partie du territoire national pour plus d'explications sur ce qui s'est réellement passé. Suivez. C'est une véritable catastrophe dans les quartiers Nyakaliba à Kadutu où l'éboulement vient d'endayer cette partie de Bukavu en faisant des morts, des blessés et des maisons détruites. Koti na kati ya bandako sikawa onda kweza laki kuna liboso kula likolo yaki ko kweya kweya ki kweli mine misusu. Proche de sa population, le gouverneur du Sud Kivu Théo Ngwabidje a fait une descente sur le lieu pour compatir avec les familles et pleurer. À l'occasion, le gouverneur de province a présenté ses condoléances aux familles qui ont perdu le leur et a promis de leur venir en aide pour l'enterrement. Le gouverneur Théo Ngwabidje a fustigé cette tendance de la population qui continue à construire et habiter sur des sites impropres à la construction. Pourtant, à maintes reprises, son gouvernement avait appelé ses familles à quitter ces lieux. Nous sommes dans une province où nous avons le plus d'illusions chaque jour. Donc on ne va pas continuer d'accepter que les populations soient exposées. Donc j'estime dans un mois, je vais revenir ici pour détruire toutes ces maisons qui sont construites illégalement. Par la même occasion et pour faire d'une pierre deux coups, le gouverneur de province a déployé sur ses tronçons l'office des routes pour évacuer les décombres sur la route afin de rétablir les trafics. D'une province à une autre direction, à présent la province du Nord Kivu, exactement à Butembo, pour parler du deuxième jour de l'appel à des journées villes mortes lancé par le mouvement d'oppression Veranda Muchanga pour réclamer la levée de l'état de siège ses membres. L'état de siège a montré ses limites, notamment dans la province du Nord Kivu seulement. Cet appel à des journées villes mortes divise la classe sociale sur place. Téné, par exemple, ce mardi 26 avril, les activités ont repris timidement. La circulation de mototaxis et quelques voitures a été constatée au centre-ville. C'est un reportage signé Delphine Sindani. À ce deuxième jour des journées villes mortes, la circulation des personnes et quelques engins motorisés a été constatée au centre urbain de Butembo. Quelques personnes ont été visibles à leur bureau de travail. Rencontré à son office de travail, un coiffeur au salon Célio, au rond-point La Véranda, s'est dit touché par les journées villes mortes. Nous sommes les gens qui travaillent du jour au lendemain. Nous sommes les gens du tôt du jour. Alors vraiment, ça a eu un impact par rapport à notre boulot. Nous sommes en chômage parce que nous, les coiffeurs, nous travaillons. C'est pour cela que donc, ça a eu l'impact par rapport à notre boulot. La solution n'est pas du gouvernement parce que pour nous, les peuples, on réclame souvent, on dénonce. On dénonce qu'il y a un cessu et cela par rapport à la sécurité. Alors la solution n'est pas du gouvernement. Un taximène croisé sur le boulevard Joseph Kabila Kabanké, à Kaoundoura, s'est dit ne pas savoir l'importance des journées villes mortes à Butembo. Nous ne savons pas si ces journées villes mortes vont nous aider à quoi. Jusque là, nous sommes dans l'obscurité. Ça n'a pas de sens dire journée fériée. Ici, nous mangeons par jour. Dans un communiqué rendu public, la société civile Force Vive de Butembo n'est pas d'accord avec l'organisation des journées villes mortes qui semble jouer le jeu de l'ennemi. Toutefois, elle reconnaît que l'état de siège a failli à sa mission attendue par la population. Elle appelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de considérer la position des députés de l'Est sur l'inefficacité de l'état de siège. Allez, retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui abrite depuis le lundi 25 avril 2022 la 24e réunion régionale de la Conférence internationale des pays membres des Grands Lacs. Ouverte pour 3 jours, ces assises se penchent sur la stratégie de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Explication Bobo Ngombo.
Pillage et exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, une des causes majeures des conflits armés et déstabilisation de l'Est du pays. Ainsi, ouverte à Kinshasa, cette 24e réunion de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs réunit les experts des pays membres sur la question avec un accent particulier sur la mise en œuvre de la feuille de route pour les 6 outils de l'initiative régionale de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les États membres. Il s'agit notamment du mécanisme de suivi et certification des minéraux, l'harmonisation des lois sur l'exploitation minière dans les 11 pays membres et la création d'une base de données pour le suivi du commerce des minéraux dans la région. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, qui a lancé ses travaux, revient sur les enjeux. Le gouvernement de mon pays se félicite de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces 6 outils, ce qui concorde à tout égard avec la vision du chef de l'État de la République démocratique du Congo, à savoir améliorer la bonne gouvernance du secteur minier afin que ses retombées profitent davantage aux Congolais et contribuent à l'émergence d'une classe moyenne dans les zones d'exploitation minière. Plusieurs résolutions et recommandations sont attendues à l'issue de ces assises organisées par les secrétariats et le mécanisme national de coordination de la CIRGL en partenariat avec le gouvernement congolais. Et au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, l'on parle du lancement de l'opération d'actualisation de la cartographie opérationnelle en province. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante se sont déployés à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Objectif, recruter les candidats à la collecte des données et également échanger avec les parties prenantes en rapport avec le processus électoral. Commentaire, Rachel Massengo. C'est pour lancer l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles et la formation des agents qui vont mener cette opération sur le terrain que les membres de la Commission électorale nationale indépendante se sont déployés à travers le pays. Le rapporteur adjoint Paul Muindo est en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, pour lancer le recrutement des candidats préposés à la collecte des données. Il a par la même occasion visité l'entrepôt du territoire de Bikoro pour évaluer et établir les responsabilités à la base de l'incendie qui s'y était déclaré. Pascal Lipemba, membre de la plénière de la CENI, était lui à Bandunduville. Sur place, il s'est entretenu avec le personnel du CEP. Même chose au Nord Kivu, à Kamina dans le Olomami, à Chikapa dans le Kasai, avec pour objectif spécifique échanger avec les parties prenantes au processus électoral sur les activités en cours de réalisation et aussi échanger avec le personnel œuvrant dans les CEP. Et puis les nouvelles au Parlement, d'abord à l'Assemblée nationale. Ce mardi était le jour de la clôture, en principe, des interventions des députés nationaux. Les 25 derniers intervenants sur les 75 qui avaient sollicité la parole pour le débat général s'y sont exprimés sur l'examen de la proposition de loi dite électorale. La journée de mercredi, lors de la plénière prévue, il sera également question d'entendre les candidats au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous le savez, poste vacant depuis la démission de l'ancien président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. La campagne électorale a en principe débuté ce mardi. On va rester au Parlement, cette fois à la Chambre haute, au Sénat, pour parler de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Il s'agit d'une proposition de loi du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Cette proposition de loi a été jugée récemment au Sénat, une loi qui en principe a le mérite de diversifier l'économie en rendant le secteur agricole attractif, et ceci en laissant en mettant de côté l'exclusivité de la propriété de terre réservée à l'État congolais. Il sera question également de permettre à d'autres personnes d'avoir cette possibilité d'avoir des terres pour l'exploitation ici en République démocratique du Congo. Plus d'explications, on retrouve Lisette Kenga.
Le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, a répondu à toutes les préoccupations soulevées lors du débat général autour de cette loi, modifiant et complétant la loi du 24 décembre 2011 sur les principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Les craintes majeures portaient notamment sur la perte de la souveraineté en acceptant les investisseurs étrangers dans l'agriculture. L'auteur de la proposition de loi répond. Je voudrais solennellement dire qu'il n'en est pas question. D'abord, quand nous parlons des investisseurs, c'est à la fois des nationaux et des étrangers. Les étrangers, eux, conformément aux articles 110 et 111, n'ont droit qu'à l'emphytéose, c'est-à-dire que le bail de la terre pour une durée de 25 ans, renouvelable. Donc c'est juste une location de terre, mais la terre appartiendra toujours à l'État congolais. Nous ouvrons seulement les vannes pour que ceux qui veulent investir dans l'agriculture viennent et qu'on leur accorde les facilités, les allègements, qu'on puisse créer une banque spécialisée pour financer l'agriculture à des taux réduits et que les importations des intrants agricoles ne puissent plus payer les droits de douane et une fiscalité qui puisse motiver les uns et les autres à travailler dans le secteur de l'agriculture. La proposition de loi a par la suite été confiée à la Commission Développement Durable, Ressources Naturelles et Tourisme, ainsi qu'à la Commission des Entités Territoriales Décentralisées, qui ont 8 jours pour l'approfondir et l'enrichir. Il faut noter que cette loi permettra, avec les productions agricoles, de diversifier l'économie congolaise et la rendre intravertie, comme voulu par le président Félix Tshisekedi, qui tient à la diversification de l'économie. Cette démarche de Bahati-Lukwebo lui a valu les acclamations de ses collègues sénateurs, car depuis plus de 20 ans de toutes les législatures, aucun président ne s'est adonné à cet exercice. Voilà, je ne l'ai peut-être pas très bien dit, cette loi laisse l'exclusivité de la propriété de terres congolaises à l'État congolais. On va se rendre dans la province du Kwilu pour parler de la journée mondiale du paludisme qui a été célébrée à Bandundouville ce mardi 26 avril 2022. Pour ce faire, le gouverneur du Kwilu a invité la population de sa juridiction à la bonne utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et à prendre le vaccin contre le paludisme. Benoît de Groff Dahl nous en parle. C'est sous le thème « Promouvoir l'équité, renforcer la résilience, mettre fin au paludisme » que la journée mondiale du paludisme est célébrée dans la province du Kwilu. Ici, à travers cet atelier de réflexion, dans la grande salle du Majestic Hotel de Bandundouville, en présence de tous les partenaires techniques et financiers, ainsi que le médecin chef des zones de la province du Kwilu, que le premier citoyen de la province du Kwilu, honorable Willy Itundala Hassan, commence par présenter le trophée de la province du Kwilu comme la meilleure dans la lutte contre le paludisme, avant de souligner ceci. Nous sommes particulièrement fiers que notre province ait été choisie comme pilote dans l'approche ABC, qui signifie contrat basé sur les résultats. Ceci est une opportunité pour le Kwilu de concentrer ses efforts pour la réussite de cette innovation dans la distribution de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides en République démocratique du Congo. Juste après, il s'en est suivi une caravane motorisée pour la remise officielle de ce bateau ambulance de la province du Kwilu, dont des partenaires grâce au grand esprit managérial du médecin chef de division de santé de la province du Kwilu, docteur Jean-Pierre Bassaké, et du nouveau ministre provincial de la santé du Kwilu, docteur Benamoutoui, qui sont ici félicités par l'autorité provinciale. Et justement, parlant des moustiquaires imprégnés d'insecticides, sachez que la 5e campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides justement a été lancée à Kananga, au Kasaï central, le lundi 25 avril 2022. Au cours de cette campagne, plus de 3 millions de moustiquaires seront distribués aux ménages de cette partie du territoire national, ceci en vue de réduire tant soit peu la malaria. Détail dans ce reportage de Jules Ninda sur le commentaire de Bijou Idi Kalemo.
Précision faite par Mumbere Luavo, point focal communication au sein de l'antenne d'EPS Boutembo, mardi 26 avril, au cours du rendez-vous hebdomadaire avec la presse. Nous avons eu à recevoir 48 échantillons avec zéro cas positif, soit une positivité de 0%, comparativement à celle de la semaine passée de 6,1%. S'il faut prendre, il faut vous vérifier là, dans la ville de Boutembo, c'est que pour la ville de Boutembo, ce sont les 12 échantillons de la zone de santé de Boutembo avec zéro positif, soit une positivité de 0%, qui était même le résultat de la semaine précédente. Et au niveau de l'antenne d'EPS, qui prend charge 18 zones de santé, nous avons eu à recevoir 30 échantillons. Et sur les 30 échantillons, après analyse, aucun cas positif, soit une positivité de 0%, comparativement à celle de la semaine passée qui était aussi de 0%. Parlant de la maladie à virus Ebola qui a surgi en Équateur, Mumbere Luavo a appelé la population à la vigilance. Boutembo au Nord Kivu est exposé au risque au regard des mouvements des populations du Nord Kivu vers la partie ouest de la RDC. Alerte-t-il ? L'appel à la vaccination et au respect strict des gestes barrières a été réitéré à l'intention de la population. Santé toujours, et cette fois en ville de Boutembo, pour parler de la situation épidémiologique liée à la pandémie à Covid-19. Sachez qu'aucun nouveau cas confirmé de Covid-19 a été donc enregistré depuis la semaine du 16 avril 2022 au sein de l'antenne DPS Boutembo. La population est pour se faire appeler donc à la vigilance et au respect de strictes mesures barrières. Delphine Sindali pour ce reportage. C'est une bonne initiative, mais pour la société civile, composante jeunesse du collectif des mouvements citoyens, leader des organisations des jeunes et jeunes femmes, ça doit se faire avec des personnes qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. C'est ainsi qu'en date du 25 avril 2022, une lettre a été envoyée au Premier ministre chef du gouvernement en rapport avec ce dont il est question ici, la gestion et l'exploitation de l'hôpital Jason Sendwe de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Sur la liste des entreprises en voie de gagner l'appel d'offres de concession, il y a d'A+ 2000, dont le propriétaire est le docteur Shabir Nelikodé, un sujet abu-dhabien d'Émirats Arabes Unis, fugitif à Abu Dhabi pour fraude financière, révèle ce collectif dans cette lettre adressée à Jean-Michel Samalou Kondé. Pour eux, le patron de d'A+ 2000 ne remplit pas les critères pour être bénéficiaire de la gestion et l'exploitation de l'hôpital. Processus inscrit dans un avis de préqualification qui cadre avec le programme du gouvernement. S'agissant d'un recours au contrat de délégation de service public portant obligatoirement sur un service public et prenant la forme de concession afin d'assurer une gestion nationale de certains services publics. Mais alors, que reproche ce collectif des mouvements citoyens et des ONG des droits de l'homme à Shabir Nelikodé? Il est fugitif, ses activités sanitaires à Abu Dhabi n'ont pas été concluantes via l'Universal Hospital qui a fermé en 2019, confirmé par le ministère de la Santé de ce pays. Ceci pour non-respect de certaines normes et qu'il est entendu que plus de 500 membres du personnel de cet hôpital sont confrontés à l'incertitude en raison de la fermeture soudaine. Bref, des gros soucis de gestion qui ne rassurent pas, ont-ils alerté dans cette lettre dans laquelle ils implorent le Premier ministre chef du gouvernement d'intervenir personnellement en vue de sauver l'hôpital Jason Sendwe. Vous venez de suivre là cette lettre adressée au Premier ministre chef du gouvernement sur la gestion et l'exploitation de l'hôpital Jason Sendwe du Haut-Katanga. Civile composante, vous l'avez suivi, jeunesse, membre du collectif des mouvements citoyens, leader des organisations des jeunes et femmes qui interpellent donc le chef du gouvernement et qui s'insurge sur cette possibilité de l'octroi de ce marché d'appel d'offres à d'A+ 2000 qui serait en voie donc de gagner ce marché. Ce jeune révèle que d'A+ 2000 qui appartient au docteur Shabir Nelikodé serait un fugitif à Abu Dhabi poursuivi pour fraude financière. On va revenir sur la cinquième campagne de distribution des tickets imprégnés d'insecticides lancée à
Conseil central depuis le lundi 25 avril 2022. Au cours de cette campagne, plus de 3 millions de moustiquaires seront distribués aux ménages de cette partie du pays. Ceci en vue de combattre tant soit peu la malaria. Détail dans ce reportage signé Jules Ninda sur le commentaire de Bijou Idi Kalemo. S'alignant sur l'objectif du développement durable d'ici 2030 d'avoir zéro cas de malaria, le gouvernement congolais organise la cinquième campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides à Kananga, au Kasaï central. 3 150 000 moustiquaires seront distribués à 1 069 344 ménages de la province du Kasaï central afin de lutter efficacement contre le paludisme, cause majeure de décès chez les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, et c'était avec l'appui de l'USAID. Le gouverneur intérimaire du Kasaï central, Tarsis Muzeke, qui a présidé la cérémonie officielle du lancement de cette campagne dans ce coin du pays, a interpellé le chef de ménage de dormir et faire dormir leur famille sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Grâce à l'apport et au concours des partenaires d'appui technique et financier, le gouvernement de la République s'enlarge dans la poursuite de cette lutte à travers les campagnes de distribution gratuite et universelle des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action à travers le pays. À noter que c'est à l'initiative du président américain pour lutter contre le palu que cette campagne s'est effectuée. Les États-Unis d'Amérique et la ADC se sont engagés dans un partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la protection de l'environnement. Nous travaillons donc main dans la main en soutenant les efforts du gouvernement de la RDC pour améliorer la santé des Congolais, notamment en faisant progresser la lutte contre la malaria. La réalisation de cette campagne coïncide avec la célébration de la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Voilà qui met fin à cette session d'information sur votre télévision. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle, à vous également de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Bienvenue à la lecture des journaux de ce mardi 26 avril 2022. Rapport sur le climat des investissements. Les États-Unis saluent les avancées et encouragent les réformes, écrit la prospérité à sa une. Ouverture à l'investissement étranger, secteur bénéficiant de l'attractivité, relèvement de la note de crédit souverain, retour historique à la. Justement, parlant de l'insecticide imprégné des. Saluer dans la facilitation des affaires. Et puis, transparence assurée du système réglementaire, transparence budgétaire et la préservation des intérêts de l'État, protection garantie des droits des propriétés. Tels sont les axes sur lesquels le dernier rapport des États-Unis d'Amérique note des avancées en ce qui concerne particulièrement les derniers développements du climat d'investissement en République démocratique du Congo. Selon le journal Avenir, à son arrivée au pouvoir en 2019, Félix Tshisekedi s'est engagé dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Cet engagement, mieux ses signaux positifs, lui ont attiré le soutien ou l'accompagnement du gouvernement américain. C'est dans ce sens qu'un rapport des États-Unis a été publié sur le climat des investissements qui reconnaît les efforts fournis par le pouvoir de Félix Tshisekedi, même si beaucoup reste encore à faire. Malheureusement, ce rapport a connu une interprétation
interprétation malencontreuse des ennemis du pays qui ont tenté de l'interpréter à leur manière au détriment des intérêts de la RDC, coup d'épée dans l'eau. Contrairement aux pourfendeurs de Félix Tshisekedi qui sont en panne d'arguments, plusieurs réalisations sont à son actif et méritent d'être mentionnées, lesquelles concourent à l'amélioration du climat des affaires. Car un climat d'investissement accueillant peut attirer des investissements durables et de grande qualité et à soutenir la reprise mondiale après la pandémie de COVID-19. En effet, en 2019, le président Tshisekedi a créé une cellule de climat des affaires pour suivre l'amélioration de l'environnement économique et du climat des affaires en RDC et assurer l'interface avec la communauté des affaires. Et ce, sans compter le travail de titan abattu par l'Agence pour la promotion des investissements ANAPI, précise le journal. Selon Forum des As, le rapport souligne que le secteur des ressources naturelles a toujours attiré le plus d'investissements étrangers. Le secteur primaire de minéraux est la principale source de revenus du pays car les exportations de cuivre, de cobalt, d'or, de coltan, de diamants, d'étain et autres fournissent plus de 95% des revenus d'exportation de la République démocratique du Congo. L'industrie hautement compétitive des télécommunications a bénéficié d'importants investissements. Le secteur de l'énergie dispose d'un grand potentiel, en particulier dans les sources renouvelables telles que l'hydroélectricité et le solaire. Plusieurs brasseries et embouteilleurs, plusieurs grandes entreprises de construction et une production textile limitée sont actifs. Compte tenu de l'ampleur des besoins, le pays de Tshisekedi offre d'importantes opportunités commerciales dont l'aviation, la route, le rail, le transport par eau et les ports. Les secteurs agricoles et forestiers présentent des opportunités de diversification économique en RDC. Changeons de sujet avec le quotidien Le Journal qui écrit à sa une « Rebondissement judiciaire, Eteni Longondo et Willy Bakonga de nouveau devant la cour ». Il y a rebondissement dans les dossiers judiciaires qui mettent en cause les ex-ministres Eteni Longondo et Willy Bakonga, respectivement de la santé et celui de l'EPST du gouvernement Ilunkamba. Pour le cas Eteni, le parquet a fini de traiter le dossier et l'envoyer devant la cour de cassation pour fixation. Le cas Bakonga est en cours de traitement au niveau du parquet. Ces questions d'heures et les invitations vont être lancées à Eteni et Bakonga, apprend-on des sources judiciaires proches du dossier. Intéressons-nous aux négociations de Nairobi avec le Nouvel Observateur qui écrit dans ses lignes au quatrième jour des pourparlers, ce mardi 26 avril 2022, des consultations sur la paix à Nairobi au Kenya entre le gouvernement congolais et les groupes armés. Les délégués des groupes armés conviés au Nord Kivu restent toujours bloqués à Goma, la capitale provinciale. Certains groupes rebelles menacent même de quitter la table des négociations, accusant le gouvernement de ne pas tenir compte de leurs revendications. Jusqu'à la fin de la matinée d'hier lundi, une grande délégation des représentants des groupes armés du Nord Kivu, qui ont déjà finalisé avec les formalités pour le voyage à Nairobi, attendait toujours leur avion, révèlent les sources proches de ces groupes. De nombreux autres groupes armés importants opérant dans la province du Nord Kivu affirment avoir déjà été contactés et déclarent néanmoins attendre une invitation formelle pour cette mission à Nairobi. Toujours en rapport avec les consultations à Nairobi, l'agence congolaise de presse signale que les représentants des groupes armés qui participent à des consultations de paix en République démocratique du Congo, entamées samedi dernier à Nairobi, ont salué l'initiative de paix prônée par le président Félix Tshisekedi et ses homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est, a indiqué lundi une source de la présidence de la République. Les travaux qui ont été suspendus dimanche ont repris lundi et ont été consacrés à la compilation des revendications de chaque belligérant. Pour l'essentiel, tous évoquent des raisons identitaires et d'autodéfense face à ce qu'ils qualifient des prédateurs étrangers, souligne la source. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivie.